Je suis là ce soir pour t'apporter des ongles de restauration. Bonsoir. Tu sais, tu as traversé tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Tout ce que tu as commencé t'a été volé. Des opportunités de business. Ton mariage, tes enfants même. Bonsoir Raoul, Mohamed, Amandine, Hervé, Georgette, Louisiane, Rennes, Carlotta. Tout a été, donc tellement de choses t'ont été volées, t'ont été dérobées que tu n'oses même plus rêver. Oui, Louisiane. Recevez la lumière. Vous savez, je me rends juste compte de la méchanceté de l'être humain vis-à-vis de l'être humain. Pendant que tu étais là, ta vie était focalisée sur toi, sur OK, je fais comment pour réussir. Je fais comment pour aider telle personne. D'autres personnes était en train de méditer ton mal. D'autres personnes étaient en train de jalouser ton bonheur. Je suis là ce soir pour te... Je veux te remettre dans la vibration d'espoir. La dernière fois où tu t'es senti heureux, tu ne te rappelles même pas. À Saint-Valentin, c'était hier, mais tu ne t'es pas senti aimé hier. Parce que l'ennemi vient pour voler. Et beaucoup d'entre vous, vous avez même fermé votre cœur. Quand quelque chose vient, tu te demandes, pardon, moi, je ne veux plus souffrir, pardon. Je ne veux plus souffrir. Maintenant, tu connais être prudent. Tu sais à qui ouvrir ton cœur. Tu connais à qui parler de tes problèmes. Tu sais à qui fermer ta bouche. Maintenant que tu as appris à ne plus ouvrir les portes qui ont fait que ton bonheur soit volé, certains parmi vous, ce sont les gens qui étaient à votre mariage, qui ont détruit ce mariage. Ce sont les gens qui étaient témoins à votre mariage. Qui ont détruit votre mariage. Ce sont les gens qui étaient vos proches qui sont venus comploter, mettre la zizanie entre vous. Qui passaient par derrière pour comploter. Après, tu restes quand tu entends ce que la personne disait de toi ou complotait. Tu revois tes pensées, tu ne vois pas à quel moment tu as mal pensé de la personne. Hervé, je connais. Il y en a parmi vous, vous êtes mariés, mais il y a un vent de sécheresse qui est en train de passer dans vos foyers. Un vent de sécheresse. Tu forces même, tu ne vois pas comment, tu ne ressens pas l'amour. Tu as acheté le cadeau, tu as donné, mais... Il y a ce truc que tu as ressenti avant là que tu n'as pas compris, tu ne ressens plus. Ce sont les coups. Les coups de la vie, ça t'abîme. Ça te cabosse. Finalement, tu ne sais même plus ce que c'est que de ressentir la paix, le bonheur, d'être aimé. D'être en paix, tu ne manques pas de quelque chose. La première étape, c'est que tu es en train de devenir sage. Tu es en train de devenir sage.
Je vous ai parlé des agents manipulateurs. Il y a un parfum là que on appelle ça agent manipulateur maîtresse. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Agent manipulateur maîtresse. C'est un parfum gros comme ça. Je m'appelle à cela 10 ans. Ma copine m'a fait. Elle aimait beaucoup. Elle et moi on aimait beaucoup le parfum là. C'est seulement le nom qui l'intriguait en fait. Ça nous plaisait. Genre on se disait entre nous agent manipulateur. Genre mais il y a des gens qui étaient à côté de vous qui étaient vos agents manipulateurs. Bonsoir Rosine, Rosine belle depuis Yaoundé, comment tu vas? Je viens ce soir remettre l'espoir dans ton cœur. Que toute sécheresse qu'on a mis, que tout esprit qui a manipulé ta personne ou t'a même manipulé toi-même soit exposé. Toute personne qui a la racine de ton manque de paix. Toute personne qui est venue dérober ta joie, ton bonheur. Que ces personnes soient exposées au grand jour. Quel que soit le vent qui est venu porter ton espoir, ta joie, c'est parti avec. Je rappelle le vent là que ça revient avec. Ça dépose chez toi, ça part. Qu'une lueur d'espoir renaisse en vous ce soir. Quand tu restes comme ça, tu dis, eh. Tu vois, tu es marié avec quelqu'un. La dernière fois que tu te rappelles que vous avez été heureux, ça fait 5 ans. Toute personne qui est venue voler l'étincelle qu'il y avait dans ton foyer, je commande que cet ange déchu vous ramène cette lueur, cet espoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute jalousie qui a poussé les gens à aller faire des actes qui vous ont handicapé, même si c'était irréversible, je prononce aujourd'hui que ça devient réversible. Toute personne qui avait manipulé, a pris ton mari, ta femme, ton je ne sais pas qui a tué, donc ton fiancé, donc ça l'avait ensorcelé, envoûté. Vous souvent ressentez ça pour vous détester. Tu ne veux pas le sentir, il ne veut pas te sentir. Tout envoûtement, je viens vous en libérer. Je le libère de tout esprit de haine qu'on avait mis dans son cœur vis-à-vis de toi. Au nom de Jésus. Même si c'est toi-même qu'on avait fait que tu le détestes. J'annule les paroles que vous avez dites entre vous pour vous gâter. Toute personne qui vient vous attiser, provoquer, vous avez parlé, vous avez gâté, vous avez gâté. Seigneur, par ton vent impétueux, je viens effacer. Comme des cendres qui s'envolent dans le vent, j'efface ces paroles. J'annule l'effet néfaste et maléfique de ces paroles sur votre vie et votre couple. Au nom de Jésus. Je remets l'espoir ferme et vivant dans ton cœur. Même si tu avais perdu espoir qu'un jour tu vas rencontrer un homme bien, je l'appelle des quatre coins de la terre où il se trouve. Il se rappelle de toi, il te localise. Au nom de Jésus. Parfois tu commences bien ta relation avec un homme, vous êtes à distance, vous programmez vous voir. 2 mois avant, vous faites 12 mois de relation à distance. 2 mois avant que vous voyez, problème. Chacun part en vrille comme ça de son côté. Toute zizanie maléfique, toute langue de vipère qui est venue parler et gâter votre relation, tout Judas caché, tout manipulateur qui était caché, qui faisait semblant, je l'expose au nom de Jésus. Et j'annule, je déclare que comme il est exposé, tout son travail est annulé dans votre vie.
toute haine qui fait que tu ne voulais pas pardonner à cause de ce qu'on t'avait fait. Reçois la grâce de pardonner. Reçois la grâce de pardonner. Reçois la grâce de pardonner. Amen. Je souffle sur tes activités. Je souffle sur toute chose de ta vie qui était bloquée. Tout Goliath qui est venu s'asseoir sur ton activité. Même si c'est un voisin qui est venu s'asseoir à côté pour faire son business à côté de chez toi. Et il te bloque. Je détrône ce Goliath maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vas plus seulement rêver que tu es avec cette personne. Mais ce rêve va s'accomplir dans le physique au nom de Jésus. J'enlève le manque de communication entre vous. Souvent, on vous bloque de telle façon que vous ne parlez pas. Vous êtes dans la même maison, vous essayez de parler problème, vous essayez de parler problème, vous essayez de parler problème. Tout esprit de zizanie dans votre maison, tout esprit amoréen, tout esprit essien qui est dans votre maison, qui vous empêche de parler, tout esprit de calomnie qui est venu se planter dans votre maison, dans votre bouche, dans votre cœur, même vis-à-vis de vos enfants. Je les écrase maintenant. Je commande qu'ils sortent de votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois vous annoncer ceci parce qu'il y a une saison d'abondance qui arrive. Le Seigneur est en train de restaurer ta vie. Oh my God. Les TikTokers ne vont rien voir derrière toi. Tu vas vivre le bonheur. Je te dis, hoha. Tu me comprends? Tu vas rester comme ça, la paix dans ta maison. La paix dans ton boulot. La paix dans ton business. La paix à l'école de tes enfants. Tcha. Seigneur, donc c'était possible. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Charles, bonsoir. Je vous envoie la paix comme on envoie le feu du Saint-Esprit. Je vous envoie la paix. Seigneur, montre-leur l'abondance qui est en train d'arriver. Montre-leur, Seigneur, qu'ils entrent dans la vibration d'abondance. J'enlève le manque. J'enlève le manque de votre esprit. J'enlève le manque. Quand tu restes dans la journée comme ça, là, tu te dis, oh, je vais prendre l'argent de ça. Où? Oh, je vais. J'enlève le manque de votre esprit. Jésus dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain. Pendant que vous dormez, je viens, ange Michael, enlève de leur estomac l'inquiétude. Enlève de leurs bras l'inquiétude, le stress, la dépression, la solitude. Je déclare que ton fiancé, ton mari, ta femme t'assiste dans ton travail. Je déclare que tu n'es plus seul dans ton activité à te casser. Oh, je fais tout seul. Je mets l'harmonie. Écrivez ici harmonie. Harmonie. Queen Shuki, si on veut vous arnaquer, ce n'est pas moi. Je vous ai déjà dit que je ne vous écrirai pas inbox. Donc, si vous partez répondre aux messages des gens de inbox, ce n'est pas moi. Je n'ai pas le temps d'écrire aux gens. Sandra, quand tu vois. Quand tu vois votre relation en rêve, après, physiquement, vous êtes distant. Ça, c'est les attaques. Je mets l'harmonie dans votre cœur. Je restaure, j'enlève. Que tout, parfois, tu restes comme ça, là, tu as un peu espoir dans la nuit, tu rêves. Dieu met l'espoir dans ton cœur. Tu te réveilles le matin comme ça, là, ta cousine vient te dire que je l'ai vu avec une femme l'autre jour. Tu dis, hé, ça t'énerve encore.
que toute personne qui est porteur ou porteuse de mauvaises nouvelles, qui viennent vous gâter votre harmonie, qui viennent toujours gâter la vision de votre foyer parfait, que ces personnes quittent de votre entourage au nom de Jésus. Je chasse toutes ces mauvaises nouvelles, toutes ces mauvaises personnes. Que celui qui était parti revienne. Tout sorcier qui est autour de vous là, ils disent qu'ils sont vos amis alors qu'ils méditaient votre perte. Alors qu'ils méditaient votre perte. Ils méditaient. Ah, elle est heureuse avec son mari, pourquoi? Il est heureux avec sa femme, pourquoi? On doit les séparer. On doit les séparer. Pourquoi tu permets que ta femme s'habille comme ça? Pourquoi tu permets que ta femme parle avec les hommes là? Pourquoi tu permets que ta femme fasse ça? Que tout homme qui a été manipulé, qui est parti, peu importe là où on a enfermé son esprit, je brise la cage. Dans les milieux sous-marins, je casse les cages maléfiques dans lesquelles on a enfermé vos maris. Il ne te reconnaît plus. Tu ne connais même plus l'homme que tu as épousé. Je le libère aujourd'hui selon Luc 4, versets 18 et 19. Satan, je te commande de libérer tous les hommes que tu as pris en captivité. Toutes les femmes que tu as pris en captivité. Elle se retrouve toujours en train de manquer de respect à son mari. Ce n'est même pas elle qui fait. Le jour où elle veut arranger, il veut gâter. Le jour où il veut arranger, elle veut gâter. Je déclare que l'harmonie viendra toujours dans votre foyer. Vous serez toujours en phase d'harmonie. Que tout démon qui est entré dans quelqu'un qui est dans ton entourage, et la personne vient se placer à côté de toi, il fait comme si de rien n'était. Quand tu pars, il te manipule, il manipule ton mari. Tu pars, il dit les mensonges sur toi. Toutes les personnes qui abusent de votre confiance pour vous détruire, qui est en train de sucer l'énergie de votre mariage, j'expose ces personnes. Je mets le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Et je renvoie ces démons dans l'abîme. Au nom de Jésus. Toute personne qui vous opprime, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les opprimés. Toute personne qui est à côté, tout le temps, la personne vous opprime, même si la personne vit chez toi, si c'est une belle-mère, si c'est une belle-sœur, si c'est peu importe la beauté de la personne, belle-mère, belle-sœur, beau-frère, beau n'importe quoi, qui est là pour sucer votre énergie, qui est là pour vous opprimer, pour vous piquer tout le temps avec la fourchette, pour vous mettre mal à l'aise. J'annule le pouvoir de cette personne de vous opprimer. J'annule l'oppression de cette personne sur vous. Au nom de Jésus. Ange Gabriel, porteur de bonnes nouvelles, que tu toques à la porte de cette maison, de ce foyer. Je restaure ce qui a été brisé, cassé. Tout meuble qui a été cassé par la colère, je les restaure. Toute parole blessante que vous avez reçue, vous êtes échangé. Je déclare l'esprit de pardon sur vous deux. Un pardon mutuel au nom de Jésus. Toute personne qui était venue mettre le flou sur ton visage, qui a fait que tu voyais toujours flou, que tu aies une mauvaise image de ton mari, mauvaise image de ta femme. J'enlève ce voile, j'enlève ces écailles, que ça tombe au nom de Jésus. Seigneur, que nos espoirs ne soient pas seulement des espoirs. Que ça se concrétise. J'appelle ta femme où qu'elle soit. Quels que soient les amis qui l'ont pris, quand tu parles, elle ne comprend pas. Quels que soient les amis qui manipulent ta femme, qui ont envoûté ta femme. Nous nous accordons selon Luc, Matthieu 18, versets 18 et 19. Nous détachons ta femme. Nous désenvoûtons ta femme. Nous enlevons l'influence des amis sur ta femme.
au nom de Jésus. Toute ancienne connaissance qui est venue se mettre comme une troisième personne dans votre couple. Le Seigneur a dit dans Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et va se joindre à sa femme. Toute personne qui est en train de se joindre à ton mari depuis, toute troisième personne qui est attachée au pied de ton mari, tout homme et toute femme, tout mari et toute femme spirituelle qui est mariée à ton mari dans le spirituel. Nous nous accordons ici et nous savons, parce que toi tu es mari ou tu es femme légale physiquement, nous déclarons là le divorce spirituel de ces personnes. Toute personne qui a envoûté ton mari est parti une fois comme ça pour te tromper, il est calé. Toute personne qui a envoûté ton mari, aujourd'hui c'est tu es devenu comme la chisa de dehors alors que c'est toi la femme. Je déclare aujourd'hui que ta bataille avec cette femme est terminée et tu as la victoire. Toute incantation qu'elle a fait, toute nourriture qu'elle a donnée à ton mari, tout endroit où elle a pris son sperme pour aller travailler contre lui, je casse les cadabasses, je brise les incantations, je détruis, je casse les têtes de ces entités qui sont en train de semer la zizanie dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus. Je remets le cœur de cet homme-là là où c'était. Je lui remets ses engagements qu'il t'a donnés quand vous étiez en train de vous marier. Je remets fraîchement dans son cœur. Je le réveille de tout sommeil dans lequel on l'avait plongé. Toute Jézabel dans votre foyer qui faisait semblant pour vous manipuler, j'expose grandement cette personne. Au nom de Jésus. Toute division de finances qu'on a mis dans ton foyer, toute division de finances qu'on a mis dans ton foyer qui est en train de vous handicaper, toute erreur que tu as commise ou que ton mari a commise et vous n'arrivez pas à vous pardonner, c'est en train d'handicaper votre futur. Je vous libère de ces erreurs. Je vous libère du poids et du fardeau de ces erreurs au nom de Jésus. C'est la saison de la restauration. Et avant de faire quelque chose, le Seigneur l'annonce. Le Seigneur l'annonce. Je viens ratisser, j'enlève toute mauvaise herbe dans votre champ. Quand ton mari, tu vas le rencontrer, ce sera comme un champ déjà défriché, sarclé. Tu plantes seulement la graine, ça grandit. Je prépare le terrain pour ton mariage ce 2023. Je prépare le terrain, j'enlève tout ce qu'on avait mis en toi qui a fait que quand tu vas rencontrer un homme, ton esprit va le chasser. Toi-même avec tes pensées, tes doutes, tes mauvaises paroles, tes ceci, j'enlève ça de ton cœur. J'enlève la peur, j'enlève le doute, l'hésitation. Je te fais rayonner, que quand il te voit clairement. J'enlève le voile sur ton visage. Je déclare que quand il te voit vraiment son âme sœur.
Je mets en lui ou en elle l'assurance. Je déclare que c'est ton année pour sourire. C'est ton année pour sourire. Tu vas rester comme ça, tu vas chercher les problèmes là, tu ne vas pas voir. Tu vas chercher la tristesse, tu ne vas pas voir. Je souffle un vent de joie et de bonheur sur toi. Je vous bénis. Je chasse tout hypocrite de votre maison. Je chasse tout hypocrite de votre vie. Amen. Le bonheur, que cet état de bonheur soit imperturbable, que cet état de bonheur soit contagieux, que cet état de bonheur soit infini. Voilà. J'ai donné ce que j'avais à vous donner. Maintenant, couchez-vous, mettez un peu de méditation, ou bien là, vous faites jouer la Bible en audio. Et vous restez dans la vibration de la paix et de l'abondance. Les jours qui arrivent sont tellement merveilleux. Recevez l'abondance ce soir. Recevez l'abondance ce soir. Restez dans la vibration de l'abondance. Restez dans le bonheur. Restez dans la joie. Amen. Inspirez la joie là. Expirez. Recevez seulement. Recevez la paix. Recevez le bien-être. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui va écouter cette vidéo. Que ce soit comme un signe d'espoir. Que ce soit une lueur au bout du tunnel. Que ce soit un objet pour cette personne. Un avenue pour que cette personne se déploie. Je te donne toute la gloire, je te donne l'adoration, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Quand on reçoit, ça se manifeste en argent.
en belle rencontre, en amour. Amen. Voilà, amen. Dormez bien. À demain 5h.